À Castelmoron-sur-Lot, petite commune de 1700 habitants au nord du Lot-et-Garonne, la nouvelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre. D'ici quelques mois, un super-U devrait se dresser ici, à quelques centaines de mètres seulement du bourg commerçant. De quoi inquiéter en premier lieu Pierre et Virginie. Il y a 9 mois à peine, le couple a tout quitté pour reprendre l'épicerie du village. Une grosse colère parce que nous, c'est un changement de vie. On a laissé notre famille, nos amis, notre maison, on a vendu notre maison, on a laissé nos enfants. On est venu ici avec un prêt sur le dos et là, on nous annonce que c'est possible que tout soit fini. 350 signatures déjà pour la pétition et des villageois pour certains vent debout contre le projet. Contre. Contre, complètement contre. Oui. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut y laisser sa chance au petit commerce. Ici, ça se tourne très bien. Il y a le marché une fois par semaine. Je vois pas l'intérêt d'aller en grande surface. C'est une honte. On veut la mort des petits commerces. On a un supermarché, on a un Intermarché à Saint-Olivier à 9 km. On en a à Villeneuve, on en a à Tonnes, on n'en a pas besoin de ça. Surtout les petits villages comme ça. Il est tellement mignon, notre petit village. Mais là, c'est fini, là. Buralistes, pharmaciens ou boulangers, tous partagent une même crainte. Perdre l'âme du village. C'est un petit village où il y a pas mal de commerçants et il faut garder ça, il faut garder cet esprit de village et puis il faut arrêter de construire des grandes surfaces parce que c'est la mort des petits. Cette fronde des petits commerçants embarrasse du côté de la mairie. Le premier adjoint, lui, soutient l'installation d'une grande surface. Il n'y voit même que des avantages. C'est un effet. Pourquoi ce serait un danger? Au contraire. Les gens, aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde où si vous n'avez pas tous les services à proximité, c'est difficile. Il y a une population, surtout à Castelmoron, qui est vieillissante. Ce sont des personnes qui ont du mal à se déplacer. Et faire des kilomètres pour aller faire ses courses, ça devient difficile. Déjà, la grande surface fait miroiter une dizaine d'embauches. Le projet avance. Le permis de construire sera déposé d'ici la fin de l'année, avant le début des travaux prévus en septembre 2021.